赤く赤く赤く揺れて夢の夢の果て離れられないもう何度も諦めては押し殺す旅行き場のない感情が目を覚ましてく穢れのその微笑み残酷なこと遠い存在だとわかるよ Seiya, Sean, allez-y, laissez-nous ici. C'est entre Camus et moi. Salut à tous. Prêt ? Allez ! C'est Maxime 59 et on y va ! Baston ! Tabassez-les tous ! Faut tous les tabasser. Allez, go, go, go. Ils sont là-bas. Plus dur à toucher que les vrais personnages. On a d'un. Je les touche. Allez, ils sont partout. Je vais peut-être éviter de balancer une attaque du vent, ça va être inutile sur eux. Allez! Ils sont en train de tuer en fait. Hein. Ah! Nous, chevaliers, n'avons rien à craindre des vulgaires voyous, aussi nombreux soient-ils. Ouais, on a gagné. Son cosmos se consume et Shiryu se fond dans le néant. Seiya et les autres doivent continuer et n'ont pas le temps de pleurer. La maison du Verseau est gardée par l'ancien maître de yoga, Camus, le même chevalier d'or qu'il avait emprisonné dans la glace à la maison de la balance pour l'épargner. On dit que ce magicien de l'eau et de la glace peut envoyer des souffles proches du zéro absolu. Combat au zéro absolu. Voici mon maître, Camus. Il a emprisonné Yoga dans un cercueil de glace.
Seiya, Sean, continuez. Yoga! Vous devez me laisser seul avec Camus. C'est entre lui et moi. Il faut nous laisser. Yoga? J'aurais voulu... Non. Je ne dirai rien. Tu m'as appris beaucoup de choses. Je ne te remercierai jamais assez. Mais au lieu de te remercier avec des mots, je vais le faire avec des actes. Comme un vrai chevalier. Tel que tu me l'as appris. Je vais t'affronter. En garde, Camus! Très bien. Je vais aussi utiliser ce que je sais contre toi. À nous, Yoga! Ouais, Camus, le retour, toujours plus fort que jamais. Allez, Yoga! Je vais te montrer ce qu'est une vraie explosion de glace! Camus, je vais utiliser tout ce que tu m'as appris pour t'écraser! Prêt? Allez! Allez! Tonnerre, Solo! Peste! Non! Non! Ah bah je confirme, non! Tête de glace! Tonnerre, Solo! Allez, go, go, go! On est encore avec Yoga, hein. J'ai un enchaînement de combats avec Yoga. Allez! Cette glace! Tonnerre, Solo! Peste! Pas bien! Oh, c'est pas vrai! Cette glace! Pas bien! Voilà, pas bien! Allez, prends ça. Bouffe ça. Poussière. Je m'attendais à une contre-attaque. Peste. Oh, allez. Oh là là. Allez, go. Non. Non. Oh non. Dommage. Poussière de diamant. Tu as senti ça? L'essence du froid. Yoga, tu es le seul espoir de tous les habitants de la Terre. Yoga, tu n'as plus de force. Ça ne te ressemble pas du tout. Lève-toi. Tu n'en peux vraiment plus? Tu ne vas pas t'arrêter là. Réveille-toi. Yoga! Réveille-toi. Yoga, réveille-toi. Ouvre les yeux. Yoga! Mourir à cause d'une égratignure. Tu veux vraiment finir comme ça, Yoga? Yoga, que se passe-t-il? Oui. Tu peux continuer. Rose, première mort. Allez, ouais. Tu vas voir. Allez! Pas bien! Allez, go! Non. En plus, avec la musique, on va y arriver. Allez! Content d'avoir augmenté la difficulté, ça va m'aider parce que il y aura un peu plus tard la difficulté qui va s'accentuer dans les campagnes secondaires. Il y aura une difficulté de malade à un moment. Et il va falloir qu'on fasse avec. Donc au moins ça m'entraîne.
Ah. Allez, exécution de l'eau. Oh non, j'ai raté. En garde. Allez. Cercle de basse. Allez, je mange. Non. Oh, la exécution de l'orange, je m'attendais pas à ça. Oh non, je suis mort. Yoga. Comment faire durer Yoga les épisodes? Alors, c'est sûr que l'épisode va durer un moment, vu que le combat il est coupé. Il y a deux combats. Pas bien. Non. Non. C'est pas vrai, non. Ah ouais, mais vous avez vu la vitesse de ses attaques par rapport à les miennes. Ah. Cercle de glace. Cercle de glace. Non. Cercle de glace. Yoga. Allez. Yoga. C'est tout. Oh non. Bon bah au revoir. Non. Cercueil de glace. Repose à jamais dans ce cercueil. M'attaquer avec une technique si pitoyable. Mourir à cause d'une égratignure. Tu veux vraiment finir comme ça, Yoga? Oui. Tu peux continuer. Ah là là, je suis remords. Le mode difficile, c'est si dur que ça. Ouais. Parce que j'ai déjà fini le jeu en très difficile. Non. C'est la glace. Alors, c'est-à-dire que j'ai vraiment une différence de niveau par rapport à l'époque. Ça, je me rappelle même qu'il a une double barre de vie, Saga, à la fin du jeu. Le boss final a une double barre de vie. Le boss final, il a deux barres de vie. Cercle de glace. Je m'en rappelle ça. Pas question. Allez. On peut y arriver. On peut y arriver, on peut y arriver. Fais-le. Allez, c'est pas relevé. Allez. Cette glace. Cercle de glace. En garde. Non. Non. Oh bah alors là. Oh mais non. Poussière de diamant. Ah bon, moi je suis pas mort. Non. Pas question. Non. Cette de glace. Allez. Cette de glace. Pas bien.
Allez. La feuille de glace. Jamais de la vie là. Alors là. Allez, meurs. On en finit. Restez calme et gelez l'ennemi. Voilà. Seiya, Sean. Des flocons de neige en cette saison? Seiya, le cosmos de Yoga nous fait ses adieux. Ne regarde pas en arrière, Sean. Allez, nous sommes presque à la maison des poissons. Impressionnant. Lancer l'exécution de l'aurore au milieu du combat et la maîtriser de cette façon. Et tu as même appris à utiliser le zéro absolu au bord de la mort. Et pour couronner le tout, tu as éveillé ton septième sens avec un cosmos qui dépasse le mien, celui de ton maître. Tu as appris tout ce que moi, Camus, je pouvais t'enseigner. Je veux que tu utilises cette puissance pour défendre la cause en laquelle tu crois. Je veux que tu continues à vivre, Yoga. Hélas, je ne peux plus rien faire pour toi. Pardonne-moi, Yoga. Camus, tu as risqué ta vie pour m'apprendre à utiliser le zéro absolu. Je n'oublierai jamais les enseignements que tu as bien voulu me donner. Un jour, qui sait, nous nous retrouverons tous les deux dans les champs de glace de la Sibérie. Merci. Merci, Maître Camus. Adieu. Et voilà, donc on a terminé la maison du Verseau et Yoga aussi s'est fait tuer. Du coup, il ne reste plus que Seiya et Sean pour atteindre la chambre du Pop. Et je vous rappelle très bien que le grand Pop, s'il a réussi à contrôler le sanctuaire, c'est pas pour rien. Donc du coup, s'ils sont plus que deux à moitié morts pour attaquer le grand Pop, alors déjà vu tout ce qu'ils ont fait en un contre un, on se dit c'est bon, Shader des poissons, il n'y a pas de souci, ils peuvent le battre, donc là il n'y a pas trop de problème, on sait que Seiya ou Sean tout seul, ils peuvent le battre. Mais cependant, arrivé à la salle du grand Pop, que va-t-il se passer? Déjà, est-ce que à la maison du poisson, Seiya et Sean vont-ils affronter ensemble le Shader des poissons? On le verra. Pour gagner du temps. Mais bon, après, ils peuvent aussi gagner du temps en faisant diversion. Donc, on verra ce qui va se passer pour atteindre la salle du Pop. Et on est bientôt à la fin du Let's Play. Il ne reste plus que deux épisodes, du coup. Bon, allez. Explosion de la tempête nébulaire. Ouais, prochaine maison, la maison des poissons.
Allez, au revoir tout le monde. Les chevaliers du Zodiac. Tornade nébulaire. As-tu jamais senti ton cosmos intérieur ?